métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que je nomme à la main intelligemment. En voyant les mois de mademoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle et commença comme tout de suite. S'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite Piquetra. T'as eu chaud, hein? Métro continue son voyage. Elle se dit: je n'en ai pas sage, je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé, convaincu, cherche à pénétrer dans mon cœur. En qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Alors voici donc la moralité de cette histoire. Ainsi à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Dans tous les quartiers de Paris, le
soleil. Qui est son copain est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont à Paris. Et la main, ils vont s'entrefrapper. Regarde dans ton chemin, si Paris a changé, y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant les stationnements. Il y a encore la chance des taxis au café. On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec les mains et là de matin au café. Y'a assez. À n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux. Ce sont ses amoureux. Elle a assez. Puis y'a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi. Je suis toujours dans la Seine. Et la main à la main, ils vont s'entrefrapper. Regarde dans ton chemin, c'est Paris. Café, on voit n'importe qui, voit n'importe quoi, qui parle avec les mains, et là le matin, au café, y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, qui sont ses amours, à la scène, et y a ceux qui ont fait leur lit. Près du lit de la Seine, qui se lave à midi, tous les jours de la semaine dans la Seine.